Sérieux. En vrai, c'était quand même grave faisable. Ah, enfin. Ouais, ouais, parle pas, parle pas. Go. Go, go, go. J'avais fait un truc, par contre, dans mon deck. J'avais retiré... j'avais retiré qui? Ah non, j'avais retiré un des leurs. Okay. Enlève tes catapultes. Le truc c'est que si j'enlève des balistes, j'ai plus assez de cartes d'unité. Voilà. Donc non, je peux pas faire ça. Et je peux pas, y a pas entre guillemets mieux que ça quoi. Parce que j'ai des 6 à poser. Et voilà, c'est une 6 et c'est derrière. Donc non, en vrai je peux pas faire autrement. Deux corps de l'heure. Attendez, je vais enlever un corps. Mais Jaskier. Non, parce qu'en gros moi devant, pour vous expliquer en gros, mes trucs de corps à corps, c'est que des cartes légendaires. Du coup, Jaskier servirait à rien du tout. Enfin, à part les espions, mais du coup ça se met en face. Et ma 7, mais je l'utilise pas pour ça, quoi. Donc en gros, c'est pour ça que je joue pas Jaskier. Mais par contre, oui, c'est un corps que j'avais enlevé tout à l'heure et je vais remettre en l'heure, je pense. Ok, go. Pas un espion. Pas un seul espion. C'est-à-dire que là, dans les 20 cartes restantes, il y a une carte sur 4, c'est un espion. Je suis deg. Genre... on va enlever la pluie. Ok, c'est ok. Et on va enlever... Mais là, par contre, j'ai vraiment un jeu de merde, là. J'ai pas de leurre, j'ai un corps. C'est ingagnable. C'est ingagnable. J'ai... Attends, mais c'est pas possible. T'imagines, sur 30 cartes, j'en ai vu 12. Parce que du coup, j'en ai rejoué 2. J'en ai vu 12. J'ai pas vu une seule légendaire, pas un seul espion. Si t'ajoutes toutes mes légendaires, tous mes espions, je crois que ça fait... ça fait 13 ou 14 cartes. C'est pas possible. C'est un truc de fou. On va tenter, hein, mais... Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez. Merci beaucoup Van le Chicoteur. Merci pour l'abonnement. Merci Gurito pour le 9e mois. Emoxy pour le Prime. Et Aimwing pour le 3e mois. Merci à vous. Merci Karaïdas aussi. Ah lui il joue des espions, hein, tu m'étonnes. Si frustrant de voir des espions qu'on peut pas prendre parce qu'on n'a pas de leurre. Si frustrant en vrai. Je vais tenter un truc. Ok. Je vais passer et je vais pouvoir raise un espion. Et là, je vais peut-être piocher un espion ou une légendaire, please. Ok, un espion. Let's go! Voilà, on va remonter en nombre de cartes. Un leurre en plus, c'est cool. En vrai, je vais rejouer ça, hein. Let's go. Un leurre légendaire. Voilà. En vrai, je pense que je vais l'empêcher de leurre. Avec ça. À moins qu'il ait un raise. Il a plus de chances d'avoir un raise ou un leurre.
Ouais, on va le laisser pour le moment. Ah là, c'est trop tentant là par contre. Ah là, je suis obligé. C'est trop tentant. Ok, il joue le gel, ok. Ok. Je peux raise ça, ouais, ok. Ouais, écoute, je vais jouer ça derrière, je pense. Hein. Ah non, il y a sa 6 en cover de la terre brûlée. Faudrait que je joue sous la terre brûlée, en fait. L'heure est passe. Ah non, moi là, je vais forcer jusqu'à la win. Hein. Il a 7 cartes, j'en ai 7. Ah non, moi, je force jusqu'à la win, en vrai. Là c'est win. Là c'est win. Je vais corps devant. Quoique, j'ai pas encore l'issue de tout ça. Parce que devant je vais mettre. Si je vais. En vrai je vais corps devant. Histoire de tempo aussi un peu et pas jouer de cartes de suite. Elle joue Triss. Ok. Je fais ça, ça me fait 2-4. Ok, donc c'est cover de ça, je peux jouer ça. Attends, ça faisait quoi? J'ai pas vu. Détruisez les unités de combat les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée des trucs de siège. Ok, pas de problème. Pas de sous. Je peux effectuer un raise avec un petit leurre hein, sur mon... Je peux pas raise l'espion parce qu'il est légendaire. Je peux effectuer un petit raise sur autre chose. Je me tâte. Je pense que je vais jouer ça. Non, en vrai, je suis pas pressé pour les deux leurres. Ça peut me permettre de tempo. Il a 5 cartes, j'en ai 3. C'est pas beaucoup. Hein. Ok, catapulte. Ok, donc il a double kata. Donc c'est un peu la kata, justement. LOL. Il joue dragon, il me suit. Voilà pourquoi j'ai hésité à faire ça. Bien wesh. Ok. J'ai récupéré mon dragon. Il met devant, il en a sûrement une deuxième, je pense. Ça va faire 2-4. Je vais jouer mon dragon pour éliminer, parce que là ça fait 7 au total, je vais éliminer ça et ça. Ce qui me fait bader, c'est ce qu'il y a derrière. Hein. Ça, c'est sûr. Ce qui me fait bader, c'est ce qu'il y a derrière. Mais bon, je peux rien contre ce qu'il y a derrière. J'ai pas trop de choix. Je réfléchis. Hein. Je suis en full réflexion. Je réfléchis à savoir si je peux forcer, mais je peux pas parce que derrière en fait il a ses 16 qui font trop mal. Je pense que je vais l'heure sur l'infirmière. Voir ce qu'il fait, je pense qu'il va passer un. Hein. Non il passe pas, il brouillard. Voilà je passe hein. Voire même, je peux le forcer à jouer.
avec ça. De toute façon, j'ai perdu. Pour le forcer à jouer. Je fais ça. Pour voir s'il continue à jouer, mais je pense qu'il va passer en vrai. Ouais, il passe. Pas de soucis. Je passe aussi. Il va piocher une carte parce qu'il est Royaume du Nord. Il en aura donc deux. Le truc, c'est que je sais pas si... Oui, c'est lui qui commence, ouais. Ok. Ça joue une 6 derrière. Moi, je pense que je vais juste reste une 8 derrière pour avoir un maximum. Je vais juste jouer les Puntos ici, donc je vais faire ça, ça. Il reste une 8 à l'arrière. Ouais, une 8 à l'arrière pour avoir un maximum de points, de toute façon. Après, s'il a une pluie, bon, bah, dommage, hein. Mais il a une carte. C'est sa dernière carte qu'il va jouer, là. Il a givre. Il a givre, donc ça changera pas le cours de la game. Il a plus de cartes, il passe. À moi, j'ai gagné. Je vais même pas jouer, c'est gagné, c'est boum, c'est terminé. Yes! Putain, ok, cool, parce que à la base, on avait une première main qui était un peu... Tindax. Ok. Félicitations. Dommage de me voir éliminé dès le premier tour, mais ouais, mon pote. Ce n'est qu'un jeu. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. Hyper fair play. Hein. Avec tant de misplay. Excusez-moi les joueurs professionnels de Gwent. Alors, comment s'est passée cette première manche ? Pas mal. J'imagine que tu as gagné toi aussi. Oui. J'ai la nette impression que mon adversaire était saoul. Il avait une main très honnête, mais... Mais il a pu avoir des difficultés à se concentrer. Pourquoi ne pas continuer cette discussion en privé ? J'ai une proposition à te faire. Retrouve-moi à l'étage. J'espère que j'aurai le temps de refuser en haut. Parce qu'elle a une proposition à me faire en haut. Elle a une propale. Ok ? En vrai, elle a une propale. J'aurai le temps de dire non, normalement. Entendu. Donc je vais mettre oui. Et j'aurai le temps de dire non. Voilà, retrouver Sacha sur le balcon. Mais qui éteint les lumières ? Je fais ça. Là, je fais une petite sauvegarde. Mais ça a déjà sauvegardé, je crois. Hein. Ah non. Non, par contre, c'est infernal, on voit strictement rien, quoi. Iris tourne, ni crédit. Oh ! Mais attends, c'est une blague. Les Audis sont en stock noir, elle, je viens d'en prendre un. Oui, je fais faire le malin. Merci, Taïchou. Attends, le garde, il est là ? Fiche le gant. Ok. Non, je peux sortir pas. Putain, mais en fait... Attendez. C'est infâme, je vois rien du tout. C'est... Je suis désolé, hein, mais je vais sortir une torche, hein. Oui, bon. Ok. Enfin seul. De quoi souhaitais-tu me parler ? D'une petite fortune, la dotation du tournoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'embêterait qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Et on ne peut pas se fier à la chance. Moi, je dis que quelqu'un devrait faire main basse sur le magot. En douceur, tu sais, sans incommoder les autres. En matière de proposition, je m'attendais à autre chose. Tu n'as pas l'air d'une... Voleuse ? C'est vrai. Ce n'est pas mon métier. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide. Pourquoi te tourner vers moi ? Je suis une femme. J'ai besoin de cet or. Et Geralt de Rive n'est pas homme à abandonner une femme en détresse, à ce que l'on m'a dit. De qui tiens-tu ça ? J'avoue. De Fringilla Vigo. Elle m'a conté vos aventures à Beauclair. Il paraît que tu es fiable, à condition que la cause soit juste.
Ouais, admettons que je t'aide. Très bien. Admettons que je t'aide. Je partagerai avec toi, bien sûr. Partager. Et si c'est moi qui gagne le tournoi? Dans ce cas, je te ferai une autre proposition. Quel est le plan? Je te dirai tout en temps utile. Pour l'heure, reste aux aguets. Et en cas d'élimination, reste jusqu'au terme du tournoi. Ça vaudra la peine, tu verras. Tout ça paraît bien mystérieux. Mais d'accord. Excellent. Quoi, d'accord? Dans ce cas, allons rejoindre les autres. Quoi? Non mais attends, quoi? Donc en gros, elle m'a vraiment... Donc en gros, la proposition, c'était soit je dis oui, soit je dis oui, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Alors, qu'est-ce que ce sera? Je sais pas. Retournez dans la grande salle. Ah, elle est où déjà? Elle est là. Putain, on voit que dalle. Elle est en haut ou en bas, la grande salle? C'est Turluc, tu payes. Attends. Je comprends pas, je comprends rien. Oui égale oui, Ponce. Bah, elle m'a dit est-ce que tu veux venir en haut pour que je te parle de Propal? J'ai dit oui. C'est un scandale. C'est l'heure de la deuxième manche. Votre attention, s'il vous plaît. Madame Sacha et Gilbert Delarive. Delarive. Ouais, moi je suis d'accord. Et Harald Fesplume. Je trouve que le dialogue là il était pas très clair. C'est-à-dire que je pensais pas du tout que j'allais être engagé dans le truc à partir du moment où je disais bon, admettons. Vous sourire. J'avoue que je m'attendais pas à... Voilà. Bah elle va où, Sacha? Attends, mais faut qu'on joue dans le monde là. Bah attends, mais elle va où? Ni ristourne, ni crédit. Non. Bah elle est où? Ah, mais t'es là. Les victoires faciles ne m'apportent aucun plaisir. Aussi serais-je très fâché si tu me laisses gagner. Mais j'ai save avant. Ne t'inquiète pas. Ne vous en faites pas, j'ai déjà save. C'est j'ai save instantanément dès que j'ai gagné le premier match. Curiosité. Vous en faites pas. Bon. Bon, on va garder le même deck. Hein. Allez, go. Olé. Merci Linéa pour le 13e mois d'ailleurs. Merci beaucoup. Ok. Trois espions, trois légendaires. Ah oui, d'accord, c'est une autre ambiance d'un coup. Oh oui, quatre légendaires. Oh, c'est... Oui, d'accord, c'est vraiment... J'ai pas une seule carte à chier dans la main. Juste go. Après, elle leurre forcément. Après, j'ai mon leurre aussi, en vrai. Elle va roller. Ah non. Oh, celle... Oh, c'est une... Je l'ai jamais vue. Ok. Non, je vais attendre pour l'heure en vrai. Je vais attendre parce que je vais plutôt lui leurre une... Je vais lui leurre ce qu'elle m'a joué. Justement, je vais pas lui leurre la 9 ou la 7. C'est pas très fort. C'est moins fort. Par contre, derrière, je vais te pulvériser, oui. En revanche, bien sûr. Je vais jouer une petite tisse tranquille. Voilà, je vais plutôt leur ça en vrai. Ce sera plus simple à placer. Ou alors, en vrai, ou alors je leur la 9, je la joue, et je dragon. Ouais, mais elle a forcément un raise. Donc pas dingue.
Oh, mais je veux l'or, la 5. Ouais, j'allais dire, je pense qu'elle va passer en vrai. C'est... Je pense qu'il est temps pour effectivement de passer. Je veux quand même jouer ma 5, du coup. Alors, elle en a 13 aussi, hein, donc attention. Mais quand même 13 cartes. GG free win. Ah bah non, on peut pas dire ça. On a autant de cartes dans les mains. Enfin, là, je vais en avoir 14. Je passe. Je vais en avoir donc 14 parce que je pioche. Je gagne. Donc j'ai une carte de plus qu'elle. Après, j'ai beaucoup de légendaires. En vrai, j'ai une bonne main. J'ai une très bonne main. À vous. Eh bien, écoutez, on va commencer directement par ça, tranquille. Ok, ça joue 7 direct. Tu joues 7? Ok, jeu miroir. Ça joue 10. Je peux pas miroir ta 10, mais je vais jouer 10 aussi. Je sens que ça va être bourrin, on va tous poser nos cartes, ça va être énorme. What? Jamais vu ça. Une 10 arrière. Scorpion incendiaire lourd. Tranquille. Pas de bashing, pas de pression. J'ai une double res quand même. Tu l'as vu tout à l'heure? C'était pas, elle était pas lourde, c'était le scorpion incendiaire zéricanien, mais c'était pas scorpion incendiaire lourd, si. Ah, je croyais que ça en était un autre. Non, c'était celui à 6, oui, donc c'était l'autre tout à l'heure, donc je l'avais vraiment jamais vu, effectivement. Non, c'est des espions. Bah, c'est pour ça que je les reste, c'est pour piocher, bien sûr. Pourquoi reste le 9? Parce que je vais reste les deux. Du coup, ça change rien. Bon, j'ai 13 cartes. Elle en a 9. Elle me joue un petit corps là-dessus. Et de toute façon, des fois vous étonnez de choses super bizarres. Attendez de voir la suite avant d'être étonné. Genre j'ai res la 9 parce que de toute façon que j'allais res la 7 aussi. Et que de toute façon j'ai aussi ça qui me permet en fait de m'en foutre littéralement de cette 18 vu qu'elle meurt. En fait, ça change rien, c'est pareil. C'est exactement la même. Ouais, bah, je vais jouer ça, au moins il n'y a pas de pression en vrai. Ça fait quoi déjà à chaque fois j'oublie? Ah oui, prends une carte dans la fosse de... T'as pris quoi du coup? C'était quoi l'autre carte que j'avais? Je sais plus ce qu'il a pris, j'ai pas vu ce qu'il avait pris. C'est pas grave. Trébuchet 6? Ok. Cette carte, 9 cartes. Ça veut dire que j'ai quand même du temps pour réfléchir, un peu d'avance pour réfléchir, c'est ok. J'ai une idée de fou. J'ai une idée de folie. J'ai une très très bonne idée. Ok. Ok. Je
Salut Ponce, je passe te dire bonjour pour te dire qu'à partir de demain je reçois ma Switch et que bientôt je pourrai faire les tournois MK le dimanche, trop cool. Il y a tellement de gens qui se suivent sur le tournoi, ça me régale. Ça me... régale. Tac 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 bim bim bim, je mettrai plutôt le corps derrière. Bien ça. Je lui ébaye son soleil, mais du coup, je le mets trop mal. Oh, c'est un truc de fou, là, ce qui va se passer. Mais non. Mais si tu passes, ça veut dire que tu t'avoues vaincu, là. Là, si tu passes, ça veut dire que tu t'avoues vaincu, là, Sacha. Qu'est-ce que tu nous fais ? Le plaisir est intense. Let's go! Let's go! Merci d'ailleurs, Idel Tagon, pour le troisième mois. Merci beaucoup. Oui, j'avais mon soleil derrière pour le terminer, mais tranquille! Tranquille, tranquille, tranquille. Bon! Pourvu que la chance ne te quitte pas. Là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance. Vraiment, les cartes, c'était n'importe quoi. J'avais que des bonnes cartes. Il y a un moment. Hein. Mesdames et messieurs, la troisième manche! L'émotion est à son comble. Le vainqueur de la prochaine manche affrontera le comte Tybalt en personne lors de la finale. Phineas et Geralt de Rive. Pas question de jouer contre un mutant. Dois-je comprendre que vous abandonnez ? Fort bien, dans ce cas. Non, j'abandonne pas. Je vais l'écraser comme une punaise. Bonne partie à vous deux. Merci. Rappelez-vous les règles du tournoi. Merci ni beaucoup. Magie, ni bagarre. Bien sûr. Ni magie, ni bagarre. Obligé de le préciser, ça me fume. Ah, j'ai pas eu le temps de sauvegarder, hello. Attendez. Ok. Bon bah... on est obligé de gagner, quoi. Ok, deux leurres, je pense que je garde mes deux leurres. Nice. J'ai eu deux légendaires à 15. Hein. Alors, ça fait quoi ça ? Détruisez les unités de combat rapprochées les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée de ces unités de combat rapprochées est d'au moins 10. En vrai, ça m'arrange pas mal. Ça m'arrange pas mal, cette histoire. Les leurs, ils servent à quoi ? Bah, je vais pouvoir raise un peu avec mon infirmière, je pense que... Enfin, ma chirurgienne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Dans l'idée, ça va être ça. Je pense. Merci Mixam pour le Prime. Merci aussi Mars pour le troisième mois. Merci à vous. Non, j'ai pas d'espion. On va devoir se contenter de cette main, quoi. Parfait ça. Alors.
fait un peu chier quand même de mettre une de mes 15 là. Je sais pas trop. En fait, le truc, c'est que si je mets ça, si je mets mon commando, instantanément, il va faire ça. Instantanément. C'est-à-dire qu'il va la détruire juste en un clic et voilà, je serai en mode, ok, dommage. Donc du coup, ça sert un peu à rien. En même temps, je pourrais le raise instantanément avec ça aussi. Donc je me dis que ça peut être aussi une idée. Genre, il va sûrement faire ça. Voilà, il fait ça. Boum. C'est parfait. Derrière, c'est à moi. Je perds un 2-1. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est le reste plus ça. Et après là, ouais. Si, c'est bien, ouais. Moi, j'aime bien. Moi, si, j'aime bien. Si, j'aime bien. Ah, ça, par contre, c'est beaucoup, là. Là, t'en fais beaucoup, mec. Ok, là, t'en fais énormément. Bah, je leurre et je passe. C'est nul de claquer une reste sur ça. En fait, si tu regardes ma main, je peux reste que deux cartes. Soit le commando, soit ça. Voilà. Donc, c'est pas si nul, hein. J'ai un truc sur deux, donc... en fait, j'ai pas le choix. Mais là, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai... je vais leurre ici. Comme ça, je pourrais reste la 8. Je pourrais reste la 8. Leurre. Reste la 4. Ça me fait grave en plus prendre du temps. Ou alors je leurre la 8 aussi. Mais du coup à reste j'aurais forcément un commando. Je préfère reste une 8. Hein. Attendez. Il a 7 d'avance, ça veut dire que je peux prendre un plus 8. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un plus 8? Est-ce qu'il va arriver là, à venir? Ouais, il suffit qu'il mette un corps. En vrai, il suffit qu'il mette un corps. Je préfère l'heure chirurgienne et attendre. À mon avis, il va passer, hein. Passe pas. Moi je passe du coup. Je réfléchis à la différence entre l'heure 8 puis le laisser jouer ou alors passer maintenant. Et puis avoir un leurre et un raise. Ce qui me fait quand même gagner beaucoup de temps sur les tours, sur les prochains tours. En vrai, je vais passer maintenant. Ça sert à rien que je leurre le 8, en fait. Ça a aucun intérêt. Je préfère passer maintenant. Je passe. Donc il va passer aussi, bien sûr. Utilise le soleil pour skip. Tu peux pas? Mais il avait un leurre. Tu peux pas utiliser le soleil pour skip parce que tu peux pas utiliser le soleil tant qu'il y a rien de poser. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. À l'adversaire, il passe. Alors attendez, parce que là, il y a un play. Ton leurre est useless. Non, non, non. Il t'a baisé. Mais non. Regardez. Regardez bien. Pas du tout baisé, hein. Regardez bien. Boum. Boum. Non, non, pas du tout, c'est win, là. Regarde, boum, boum, boum. Et je passe. Pas du tout baisé, hein. Pas du tout, mais genre pas du tout. Au contraire. Et là, je vais piocher parce qu'en plus, j'ai gagné, voilà. Et en plus, j'ai un leurre. Mais c'est free win, c'est free win. À vous. Tu vas faire quoi? Rien. Rien du tout. Là. C'est impossible. Il a peut-être encore un corps. Ok, il a un brouillard. Très osef-tière, en vrai, le brouillard. Je peux d'ailleurs même, pour gagner du temps et voir ce qu'il fait, pour vraiment le pulver, je peux mettre un soleil.
Messieurs, dames, je crois qu'on a gagné, hein. Regardez même. Voilà! Tu peux soleil même s'il n'y a pas météo. Alors non, encore une fois, je suis désolé, hein, mais non, je ne peux pas soleil s'il n'y a pas météo. Tu peux utiliser une carte soleil s'il n'y a pas de météo. Tu peux pas utiliser le pouvoir du chef qui fait le soleil s'il n'y a pas de carte météo. Et moi, mon soleil, c'est ma carte pouvoir de mon chef. C'est pas un soleil, c'est pas une carte soleil. Voilà. Donc non. Le mutant a triché. Je vais lui arracher ses yeux de démoniaque à main nue. Ah pardon. Quoi? Non mais... Ça va pas ou quoi? Attendez. Attends mais quoi? Attends. Allez, approche. Je vois rien en fait. Vous voulez pas allumer la lumière? Non mais no joke. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Mais cassez-vous! Mais je peux pas bouger! Ça fait péter un plomb! Je pouvais pas bouger! Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas bouger, je voyais rien, il fait noir. On y retourne. Je suis dégoûté. C'est terrible. Faut refaire le match, je sais pas du tout. Quelle angoisse. Je vois rien, on bloque. Le gars m'aponce. Mais non, mais là c'est pas moi, c'est le jeu qui bug. Normalement ça va très bien ici, hein. Vraiment c'est le jeu qui bug, hein. Je vous jure, d'habitude c'est, on a aucun souci. Amène-toi. Mais le mec qui est là, tu veux pas bouger, mec? Tu vois pas que... Allez, approche. Ouais, non, mais lui dis pas ça, mec, il t'a ruiné déjà une première fois. On va pas dire allez, approche. Je peux pas utiliser potion de chat, j'ai déjà essayé, ça me dit vous ne pouvez pas pendant ce combat. Voilà. Oh non! Regardez, boum, voilà. Hop là. Okay. Bien joué. Félicitations pour votre double victoire. Initialement, je comptais appeler les gardes. Oui, j'ai préféré régler le problème moi-même. Veuillez me rejoindre pour la finale. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à cette issue. J'avais d'ailleurs misé une forte somme sur un autre joueur. J'aurais dû me douter qu'il y avait plusieurs parties en une. Bah go, hein. Save. Ouais, je vais save. Ok. Je m'ennuie. Message de sub, j'en ai pas eu. Ah mince. Premier achat avec ma CBE, heureux d'être enfin une fleur. Merci encore pour la bonne humeur et le divertissement que tu proposes. Si vous pouvez faire passer. Bah j'ai vu. Merci Van, c'est très gentil mec. Merci beaucoup. Ok, ça va jouer sur la table finale quoi. Let's go. Commence. Let's go. Et merci beaucoup. Tiens, on parlait des pseudos particuliers. Merci beaucoup, Jean Culasec, pour le deuxième mois. C'est vraiment le pseudo, quoi. Voilà. Monsieur Culasec, bien sûr. Jean de son prénom. Merci beaucoup. Allez, go. Ah, c'est des monstres.
donc j'ai une terre brûlée qui peut être bien. Un truc comme ça, ouais. Boum, boum, boum. Je vais enlever brouillard. J'ai un espion et un... Ok, bon, la main est pas dingue, mais elle est ok. Je vais enlever en brouillard. J'ai trébuché, c'est pas ouf. Bah, je vais enlever trébuché. Et j'ai eu, à la place de trébuché, baliste. C'est énorme. Dommage. Ok, bon, il me joue ça. Très bien. Yes, Dolège. Ça, c'est bon. L'heure pour récupérer ça. Donc, il va me le rejouer, je pense, après. J'imagine. Ce qui me permet d'aller jouer ma petite set, tranquille. Hop. Ok. Patate chips, merci pour l'11e mois. Merci beaucoup. Normal. Dans le club. Ok. Ok, ça joue espion aussi. Plaisir du Witch Floor, bonne soirée à toi et la commu. Merci Canarki Kai pour le deuxième, merci beaucoup. Ok, donc il va commencer à poser. L'objectif, ça va être garder au maximum terre brûlée. Voilà, c'est mon objectif, gagner au maximum terre, garder pardon, au maximum terre brûlée. Et moi j'ai mon givre si jamais, hein. Tranquille. Faire ça. Merci Gradja pour le 4e mois, merci vieux faisant de foire aussi pour le 3e mois. Merci beaucoup. Il joue 6 derrière. En gros sur les deux tours que j'ai envie de gagner, il y aura un tour... Je vais le gagner grâce au froid mordant. Et il y aura un autre tour, je vais le gagner grâce à la terre brûlée. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Putain, les chaînes, j'avais jamais vu cette carte. C'est quoi son effet de faction? C'est une très bonne question, ça. Des landes de pierre, bien sûr. On l'a. Remettez dans votre main une carte de votre pile de défausse. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, même. Ok, donc potentiellement un espion, en fait. Aussi. Moi, j'ai deux raises. Deux raises qui peuvent être intéressants. Vous savez quoi? Deux raises, ça peut être deux fois ça aussi. Hein. Mais auquel cas, je détruis ma terre brûlée. Ma stratégie terre brûlée est morte. J'ai bien envie de givre, en fait. Tu avais gagné le Leshen. Sérieux, je l'ai, la carte Leshen. Ah, merde. Ah, par contre, j'aurais dû la mettre, du coup. Faut se rappeler qu'avec les monstres, il a pas d'espion. Ouais, mais des espions, il en a là, qui va pouvoir raise avec ça, en fait. Donc, en fait, indirectement, il en a. C'est ça, le truc. Ah, c'est une carte monstre, je peux pas la jouer. Ok, ça me rassure. Vas-y, bah, go. On tente. Il risque fortement de jouer un soleil s'il en a, hein, bien sûr. Voilà. Auquel cas, je n'ai plus de stratégie. À part mes terres brûlées. Je vais faire ça. Ah, le corps est utilisé derrière. Vous pensez qu'il a un deuxième corps? Je pense, hein.
Il a 4 cartes. Il a 4 cartes. Alors, les options, c'est quoi ? Terre brûlée, ça ferait moins 12. Bon, un peu... C'est bien, mais j'ai plus rien sur ces grosses créatures de devant. Le corps, peut-être le corps arrière peut me faire du bien. Les deux raises inutiles, que je garde ça pour mon deuxième tour. Et enfin, j'ai double kata qui peuvent me donner quand même énormément, c'est-à-dire 32 au total. Ce qui est assez huge. Si je mets le corps derrière... Oh, mais en vrai, je vais go kata, hein. Je vais go kata. Il a passé. En vrai, je double kata, j'aurai double res kata. Parce que là, sinon, j'ai double res quoi ? Bah, sinon, c'est de la merde, mon double res. Parce que bon, c'est pour res 1, une 8 et une 6 qui ont pas d'effet. Non, je pense que je vais kata et j'aurai mon double res kata, hein. Je fais ça, boum. Il a passé, je vais piocher une carte en espérant que ce soit une bonne carte, hein, mais voilà. Tac tac, il a passé 55-76, boum boum boum, j'ai 4 cartes, il en a 4 aussi, mais je vais en piocher une, j'en ai 5. Ok, go, je passe. Lui, attention, il risque de ressusciter un espion, c'est quasi sûr. Quasi sûr. Ok, pas ouf du tout la carte que j'ai par contre là. Ah ouais, vraiment à chier même. L'espion dont on parlait. Ça veut dire qu'il va poser. Ça veut dire qu'en fait, là, dans la... là en fait, il a 6 cartes. C'est chiant, j'ai rien pour tempo. Parce qu'en fait, si, j'ai ça pour tempo. Mais non, mais ça. Oh ! Ça prend les devants pour ma terre brûlée, c'est trop chiant. Il a terre brûlée. Je vais bourriner, hein. Je me pose une question. Si là je passe, et que lui il joue son espion, du coup il passe après, il gagne, mon espion va dans ma défausse, je peux le raise. Tempo soleil. Mais encore une fois, je ne peux pas soleil si il y a, parce que c'est pas une carte, je ne peux pas utiliser cette chose-là si il n'y a pas de météo sur le terrain. Je peux pas faire ça. T'as pas 36 solutions, bro. Bah si, justement, il y en a masse des solutions. Soit je all-in en faisant du raise, soit je terre brûlée maintenant pour enlever le 5, soit je passe maintenant en espérant qu'il joue son espion. Si, en vrai, il y en a plein des solutions. C'est un espion de combien qui m'a pris ? C'est une 5 ? Vas-y, je tente. Parce que là, il va mettre un espion, hein. Oh non, il me met... C'est quoi ça ? Jamais vu de ma vie. Kairan, ok. Après moi, attention, hein, j'ai de la force. Hein. J'ai énormément de force. Hein. Je suis mort. Non ! Vous voyez que j'ai bien fait de pas soleil ! Je dis rien, tranquille, je dis rien. Ok, ouais, t'es chaud, tout ça. À moins qu'il en ait deux. Impossible qu'il en ait deux.
m'étonnerait qu'il en ait deux quand même. Mais il a encore un espion dans la main, attention, il va repiocher deux du coup. Il met un soleil aussi. Ok, bon, je vais être obligé de jouer ma carte et passer du coup. Hein. Mais il est où? Là, moi, j'ai énormément de points. Regardez, c'est monstrueux. Hein. J'ai 81 points. Ça fait passer mon tour. J'ai plus de cartes. À l'adversaire. Espion, ça me donne 5 en plus. Ah non, mais attends. À moi qui pioche. Oh, attendez. Non. Pas de corps. Même corps, c'est ok. Ça détruit rien du tout. J'ai gagné. Oh, let's go. 2-0, je lui mets. Oh, je lui mets 2-0. Oh, je lui mets juste 2-0 en fait. Je lui mets 2-0. Quelle partie sensationnelle. Le prix vous revient. Au voleur, l'or a disparu. Le garde a été poignardé. Quoi? Comment est-ce possible? Personne n'a quitté les lieux avec l'or. Tous ceux qui sont partis ont été fouillés. Il faut fouiller le bâtiment. Tous ceux qui partent le seront aussi. Je me demande vraiment qui a pu prendre l'or. Hein. Mais non. Je ne demande même pas, je n'y suis pour rien. Je m'en doutais. C'est pour le moins inattendu, mais notre accord tient toujours. Récupérons cet or ensemble. J'aime autant ne pas être mêlé à ça. Fringilla a considérablement exagéré. Tu n'es pas fiable du tout. Adieu. Je voulais voir ce qu'elle me disait. Moi, je suis juste pas fiable, quoi. Ah, je suis juste pas fiable, en fait. Je suis juste pas fiable. Tu perds l'or, donc. Ouais, c'est la dure vie, en vrai, hein. Mais vous savez qu'il y a un truc qui me saoule dans The Witcher. C'est ma faute, hein, du coup, mais ça me saoule parce que des fois, je comprends pas, en fait, l'enjeu de la question. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tout à l'heure, par exemple, quand elle m'a dit viens, on fait un accord. Non, viens, j'ai un truc à te proposer en haut. Je pensais pas qu'en disant oui en allant en haut, bon, bah, c'était oui de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, pareil, c'est pas clair. Elle me dit aide-moi à retrouver. Je dis non en me disant peut-être que le reste de la maison close vont se mettre eux à chercher, tu vois. Non, non plus. En mode ah ok, franchement c'est pas clair quoi, c'est vraiment pas clair, je suis deg. Mais là c'était clair, c'était oui non oui, mais récupérer l'argent avec elle, tu vois ce que je veux dire. Moi je pensais que derrière les gens ils allaient le récup là, parce qu'on est dans un endroit quand même. Mais je peux pas reload, je crois. Ah si, oh je peux reload. En vrai je reload, non, attends, c'est là. Reload, t'es trop bête. Non, par contre, tu vas te calmer. Ça, c'est interdit, par contre. Ça, c'est interdit. Non, non, en vrai, je trouve que c'est pas clair. C'est pas du tout la première fois que je trouve que c'est pas très, très clair, quoi. Très, très, très clair. Par contre, c'est le reload, c'est celui-là ou celui-là? Plutôt celui-là, je crois. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Le gars pète un plomb. Oui, non, mais des fois ça me fume. Il y a des gens, ils pensent vraiment que c'est mes meilleurs bros dans le chat. Ça me fume. C'est un peu con quand même. Ok. Bon, allez, on reprend ça. Ouais. Mais non, non, c'était pas clair. Je pensais vraiment que. Moi, je pensais vraiment que la maison close en question, enfin le passiflore, allait chercher eux-mêmes, tu vois. Après, c'est toute la difficulté aussi, je pense. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage avant de l'aider à s'exiler sur l'île des brumes. Frérot, bien ou bien? Alors. Je ne demande même pas, je n'y suis pour rien. Voilà. Je m'en doutais. C'est pour le moins inattendu. Voilà. Mais notre accord tient toujours. Récupérons cet or ensemble. On va voir ce qui se passe.
Évidemment, je vais m'être entendu. Merci beaucoup à Graja pour le 4e mois, à Vieux Faisant de Foire pour le 3e mois, Neru pour les 100 bits, Zeifos pour les 100 bits aussi, Jimourouli pour le subgift, Léor aussi pour le 6e mois. Merci beaucoup. Pompon, tu peux répéter l'utilité des espions. En gros, les espions, tu vas mettre la carte dans le camp adverse. Donc bon, c'est un peu chiant parce que tu renforces les forces adverses, mais ça te fait piocher des cartes. Voilà. Donc, en gros, tu donnes de la force adverse, mais tu pioches deux cartes, donc ça peut être fort. Parfois, les dialogues, t'as l'impression d'avoir un choix, alors que la réponse est limite oui ou oui, et parfois c'est oui ou non, mais tout s'arrête comme si l'événement s'arrête pile au moment où tu dis non. Ouais, c'est ça. Mais de ouf. De ouf. Mais, si je... mais oui, je suis d'accord. Bon, entendu du coup. Entendu. Par où commencer? Par l'étage. Attends. Le sorceleur ici présent est un proche du capitaine Hansen. Moyennant une bricole, il pourrait examiner la scène de crime. Crime? Bien entendu, elle sera prise en charge par le capitaine. Comment va sa blessure de la semaine dernière? Bien guérie? Oui, enfin, est-ce que j'en sais? Formidable. Nous montons de ce pas à l'étage. J'en peux plus de cette musique. Bon. On sort la torche parce qu'on voit que dalle. Hein. Mais non. La prochaine fois que vous verrez le capitaine, madame, ce serait chic de lui parler de... Ce sera tout, mon brave. Vous pouvez disposer. Le sorceleur a besoin de silence total pour travailler. Bien sûr. Bien joué. Tu connais vraiment ce capitaine? Oui, un type affreux. Bon, allez, au travail. Examinez la scène de crime à l'aide de vos sens de sorceleur. Exceptionnel! On a traîné quelque chose de lourd jusqu'à la terrasse. Ouais. Merci pour le renouvellement de l'abonnement cadeau, Calmenoptu. Merci beaucoup. Des coups portés avec un angle étrange, mais très précisément. Ouais. Du coup, étrange, mais très précisément. Boum boum, ouais. Tac, on l'a traîné. Des traces là qui traînent, ouais, peut-être. J'ai raté une info. Ça, c'est pas une vraie. Ouais, c'est une fenêtre. Tu changes comment les couleurs de sens de sorceleur? En fait, c'est le mode daltonien, tout simplement. Dans les options de jeu, je crois. Je sais plus. Tu peux mettre le mode dalton. Un carreau d'arbalète, muni d'une corde. Elle a été coupée. Le voleur a pu s'en servir pour descendre le sac d'or. Okay. Il lui aura fallu un complice qui l'attendait en bas. Il y a quelque chose en bas, mais je n'y vois rien. Il faut y aller, je pense, non? C'est sûrement l'un des joueurs. Il aura descendu le butin avec la corde avant de subir la fouille des gardes. C'est bien préparé. Tu penses pouvoir suivre le coupable à la trace? Difficile à dire. Il faut inspecter la rue, voir si j'y trouve quelque chose. Allons inspecter la rue. Bon, on va descendre, hein, peut-être. Faut rester là, non? Pardon. Saute. Non, je ne saute pas. Arrêtez de vouloir. Arrêtez de me dire de sauter. À chaque fois, je meurs. Ok. J'ai enfin réussi à faire la goutte. C'est satisfaisant. Je suis d'accord. Oh. Dégagez. Corde, crochée autour de la colonne. C'est la même corde que celle attachée au carreau. Voyons ça de plus près. D'où peut venir cette odeur?
Une odeur de cannelle. Bizarre. Je ne sens rien, moi. Fin de la quête. Vérifiez où conduisent les traces à l'aide de vos sens de sorceleur. Oh, ce temps m'emplit de mélancolie. Ce temps m'emplit de mélancolie. C'est non. 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 Dans sa précipitation, le coupable a perdu cette caisse. Elle a dû tomber du chariot. Comment tu peux être sûr qu'il s'agit du voleur ? Il y a l'arbalète sous les paquets. Pas banal. De larguer une caisse qui sent... Épargne-moi la chute de ta blague. Ouais, merci. Je connais cette guilde. C'est une compagnie marchande qui importe des épices de Zerikania. Ils ont un entrepôt sur les quais, le plus au nord de ce côté-ci du port. On s'y retrouve ? Entendu. RDV là-bas, tu coco les bails. Tivan sur le P. C'est quoi ce temps ? Merci beaucoup TLF pour le deuxième mois et Julius pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Pareil, rapporterait gros en Zerikania. Mes poulaines vont être détrempées. Mais du coup, là, en terminant ce tournoi de Gwent, j'ai un peu... Comment dire ? J'ai un peu fait le truc final du Gwent, non ? Si j'ai bien compris. J'ai pas du tout toutes les cartes ou quoi, mais... C'est un peu le truc... J'imagine un peu... La cerise sur le gâteau du Gwent, quoi. Après, il me reste quand même plein d'adversaires un peu partout dans le monde. Magnifique, les lumières. Y'a pas un autre gros tournoi ? Je sais pas. S'il y en a, en tout cas, je suis refait, mais... Par ici. Oh. Ah, un autre tournoi dans le DLC ? Ok, je peux vous valider officiellement dès maintenant qu'on fera le DLC. C'est sûr. Wow, qu'est-ce que c'est beau ! Non mais c'est vrai, on fera ce DLC, c'est sûr. Mais non. Ils sont 6 à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Bon, trouvons une autre entrée. Elle m'a beaucoup ému cette cinématique là. Elle m'a mis dans un état assez Salut, je vais mourir. Le pauvre. Vous auriez une petite couronne ? Voilà le chariot. La cannelle. La sens-tu ? J'avais vu juste pour l'entrepôt. Ça sent un petit peu la cannelle, effectivement. Trouver un moyen de rentrer dans l'entrepôt. Merci Diocarne pour ce troisième mois d'abonnement. Merde. Et pourquoi je vois rien ? D'habitude je vois plus dans ce jeu quand même. Là je vois rien du tout. Non. La pente est toujours plus raide. Tire au flanc. Ok. Ou c'est un bug, hein. C'est peut-être un bug en vrai, non ? C'est quand même. Relance le jeu. Ah, il y a vraiment eu un truc, non ? C'est un bug. Ah, mais d'accord, je comprends mieux. Essayons de nous faufiler par là. Je te suis. Une petite médite, peut-être ? Attends, j'ai pas fait bugger la quête quand même. Non mais si, il y a un problème. Genre. Non, je sais pas, c'est bizarre, c'est très bizarre. J'ai l'impression que les contrastes sont pas les mêmes que d'habitude. En vrai, c'est bizarre, regardez. Je sais pas. Ouais, on est un peu surex. Qu'est-ce qui se passe ? Eh hey, mais attends, mais changez pas ma quête là. Qu'est-ce que vous faites? Eh où? Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais
Rendez-vous sur un élément vraiment endommagé, un élément faussaire. Skellige. Mais attends, mais c'est qu'est-ce que c'est? Un armurier, un autre. Attends, mais elle est où ma quête? C'est pas une quête principale? Bah non. Ça a fait un échec. On jette pas mon mari hors des pires tripots de Rosigrad à longueur de journée. Tu crois que l'alcool a fini par le tuer? Quoi? Alors, tranquille. Pas de pression. Pas de bashing. J'en peux pas du tout terminer la quête. La malédiction d'Oumain s'avéra. C'est pas grave, on relance. Mais Yennefer et les sorceleurs. Modéré, mais pas trop non plus. Merci pour le quatrième mois. L'homme merci beaucoup. Le du monde s'avéra non plus être un homme. Pas de bashing, ouais. Un elfe, et même un sage elfe. Pas de bashing, tranquille. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage. Tout à fait. Avant de l'aider à s'exiler sur l'île des brumes. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Ce temps me déprime. Retrouver Sacha à l'entrepôt. Ah! Hey. La pluie va débarrasser les rues de la ville de toutes ces immondices. Mais c'est très sombre quand même. 18h? Non. Y a un en vrai, il y a un problème. Le jeu est sombre parce qu'il pleut. Peut-être, ouais. Avec ton gamma. Oui, non, mais si tu veux, ça fait 90 heures de jeu que j'ai dessus, quoi. Donc, c'est pas un problème de réglage, quoi. C'est un problème de. Il y a un truc à changer, quoi. Mais c'est pas moi, monsieur le commissaire. Merde. Interdiction de vagabonder ici. Est-ce que t'as un reshade? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, mais bon, j'ai 90 heures de jeu, si tu veux. Je pense que on aurait remarqué avant s'il y avait un truc bizarre. Là, c'est vraiment très bizarre quand même. Mais c'est peut-être normal, je sais pas. Mais vous savez quoi, en fait, il est 18h. En fait, j'ai même pas vu. Il est 18h30. Hey, Blanchette, je vais sauvegarder là. Et on continuera, on terminera cette quête la prochaine fois. Mais c'est quand même très sombre hein, par rapport la à Daban. Ouais. Vendait des amulettes contre l'équipe. Mais ça reste beau. Mais donc on a dû toucher. Ouais, c'est arrivé d'un coup. Mais regardez. La lumière est vachement bizarre. Les escargots sortiront après la pluie. On pourra en attraper et faire une course. Il est beau quand même le jeu. C'est pas grave, le temps c'est relatif, Ponce. Bien sûr. Oh non, il a vu l'heure. Non mais avouez que c'est ça. Mais vous savez que des fois je joue, je regarde pas l'heure. Enfin je voilà, ça joue, ça anime, boum bim bam. Et d'un coup je regarde l'heure et je me dis ouf. Et genre là j'avoue j'avais pas capté qu'il était 18h passé, donc ouais mais quand même. Ouais. Putain, j'avoue il est 18h35 dans le jeu, 18h25 dans la vie. De la merde. Ils sont 6 à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Bon, trouvons une autre entrée. Donc l'autre entrée est là. Voilà le chariot. La cannelle. La sens-tu? J'avais vu juste pour l'entrepôt. Bah t'es où? Ok. Faut monter, c'est ça? La pente est toujours plus raide. Trouver un moyen d'entrer. Ouais. Dans l'entrepôt, vous pensez que c'est un moyen en dessous ou au-dessus? Putain, pourquoi j'ai bu le truc du chat? C'est infernal.
C'est bientôt fini le chat, c'est bientôt fini. Ok, ça m'étonne vachement que ce soit... Pas ça là. La pente est toujours plus raide. Putain, laissez-moi passer. Ok. T'as une potion qui annule les effets de potion. Ah, ça c'est nice en vrai. Petit taux de vie là-dessus. Le mendiant à qui on a parlé tout à l'heure, ouais. Immonde. Rien. Dur de se retenir de backseat. Eh ouais, mais pourtant je compte sur toi pour y arriver du coup. Je compte bien sur toi pour y arriver. Ça va le faire. Rien là, c'est pas une porte ça. Ça non plus. J'ai plus de barre de vie. Putain, j'avoue, ma barre de vie a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon jeu là? Il va exploser mon jeu, c'est pas possible. Il va exploser, mon jeu va exploser, c'est bientôt fini. Tu exagères quand même, j'ai trouvé la chose en 2 secondes. C'est insupportable ces réflexions. Je pense qu'il y a des trucs des fois que tu trouves en 2 secondes que moi je vais mettre 10 minutes, mais je pense que des fois c'est l'inverse aussi, tu vois. C'est un peu chacun son gameplay. Voilà, il faut se dire ça des fois en fait. Il faut se dire ça. Essayons de nous faufiler par là. Ok, c'est ça. Il fait 0 effort. Ah, vous êtes insupportable. Vous êtes vraiment insupportable de... Vous pouvez pas faire ça, enfin genre je veux dire... Il y a plein de trucs que des gens arrivent vite et nous non, et inversement, je veux dire... Comment vous dire? Tu vois ce que je veux dire? Genre là, par exemple, je suis sauté là, vous allez me dire « Mais Ponce, t'as bien vu qu'il y avait un truc là !» Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes inferno, hein. Genre là, je suis capable d'aller là, vous êtes capable de me dire « Ouais, mais là, faut aller dans la petite fenêtre en bas et tout... » Franchement, t'abuses. Bon, Sacha, elle fait aucun effort aussi, c'est à moi de chercher. Lequel d'entre vous se nomme Hortensia? Le plus grand. La mascarade est terminée, Tulle. Donne-nous le magot. La mascarade? Bien trouvé. Je t'avais repéré d'emblée, beauté. Mais je pensais te voir arriver seul, je l'avoue. Tu lui as dit qui tu es? Non? Je suis sûr qu'il va adorer. Vas-y, dis-lui. Ou j'ordonne à Hortensia de te briser les doigts. Sacha, tu captes un truc là? De quoi parle-t-il? De Madame Sacha, qui a gobé mon histoire de ferme champignon sans broncher. Alors qu'elle aurait dû se montrer plus vigilante. Alors, tu vas lui dire pour qui tu espionnes? Ou il faut te le faire hurler. Bas les pattes, laissez-la. Maîtrisez-le. Et faites en sorte qu'il ait une vue imprenable. Ah mais à l'épée en plus. Amène-toi. Oh
Voilà. Je pensais que ça allait être à la main. À l'épée, c'est tranquille. Pulvérisé. Oh, beau travail. Je ne l'ai pas soupçonné une seconde alors qu'il m'avait percé à jour depuis belle lurette. Les Halflins peuvent se montrer imprévisibles. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, on a réussi. Partageons le butin. Alors, quelle est cette fameuse proposition censée me convaincre de partager mes gains ? Elle n'a plus lieu d'être. On a récupéré le magot ensemble, on partage équitablement. Tu sais quoi ? Allons dîner au Martin Pêcheur. Je t'invite, pour fêter mon dernier jour à Novigrad. Tu rentres à Nilfgaard ? C'est pour ça qu'il te fallait cet or ? On ne peut rien te cacher. Il te reste un soupçon d'accent. Ah, de toute façon, il va falloir que je change de registre. Je suis grillée à Novigrad. Qui étais-tu avant de devenir espionne ? J'ai perdu le fil avec le temps. Mais tu peux m'appeler Cantarella, si tu veux. C'est ton vrai nom ? Pour ainsi dire. Mais c'est mes thunes ? Genre, qu'est-ce que... De quoi ? De... Tu restes où ? Tu restes où ? Bon, vas-y. Hein. Avec plaisir. En définitive, la prostituée aux yeux bleus était sa sœur. Il n'en est pas revenu. Incroyable. Il m'a demandé de la retrouver dans la maison de la Dame de la Nuit. Et là... Quelle histoire. Et si nous montions ? Tu me montreras comment elle se termine. Excellente idée. Par contre, je te préviens, tu vas me rendre mes thunes, hein. Je préfère te le dire de suite, hein. Not safe for work. Elle a filé sans un mot d'adieu. Oh bah, comme s'il avait jamais fait ça, lui. Va nous la faire, celle-là, il va pas... Mais attends, j'ai pris mes thunes ou pas, moi ? J'ai pris mes thunes, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Ah oui, on a fait l'amour. Excusez-moi. Bon bah yes. Bah une quête de dingue quoi. Une... Oh. Oh t'as la gueule. Oh, comment osez-vous ? J'ai des voisins, adieu mon innocence à leurs oreilles. Je suis désolé, c'était vraiment pas safe pour le boulot quoi. La lettre... Ah merde, elle a laissé une lettre. Ah, attendez, ne louez pas, ne louez pas la chambre. Attendez, mais je suis en plein calbute là d'ailleurs. Je suis en full calbute là. Merde, c'était quelle chambre ? Oh non, l'enfer. Attendez, mais il y a peut-être déjà le personnel d'entretien en plus. C'était cette chambre ou pas ? Oh merde ! Ouais, c'était celle-là, hein ? Ouais, c'est ça. Une pomme. Geralt, excuse-moi d'être parti sans te dire au revoir.
mais tu dormais si paisiblement. J'avais presque envie de te faucher tes cartes et ton argent. Ou... à tout le moins de lire toutes ces lettres que tu gardes dans tes poches. Les vieilles habitudes ont la vie dure. À bientôt. Un jour, je ferai peut-être en sorte qu'on se rencontre. Vraiment, par hasard. Alors oui, mais mes habits. Parce que... excusez-moi, mais là, on est sorti à Walpé, quoi. Ok. L'école du chat, l'école du chat, l'école du chat, parfait. Hop, une lettre de plus pour une lettre de plus pour le copain pour le copain Gérald. T'es un peu surex là, Gérald. L'arbalète. Ah ouais, j'ai oublié l'arbalète. Ok. Et bah voilà. Tasse. Certaines quêtes, certaines lettres valident des quêtes, faudrait les lire. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Bon, ben voilà. Je sauvegarde ici comme ça, c'est nickel. Et voilà. Qu'au 100% au calbut. Mais non, t'imagines les combats en calbut, l'enfer. Et ben voilà, messieurs, dames. Tout ce qui se passe au Passiflore reste Passiflore. Effectivement, tout ce qui se passe au Passiflore... Ah, mais je suis en... Ah oui, d'accord. Oui, il y a un fond vert, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit fond vert. Super. Ouais, je suis un peu dans ma bulle, quoi. Je suis un peu dans mon monde. Je suis un peu dans mon... Il est dans sa bulle, Auré. Bien sûr. Bon, ben voilà. C'est la fin de cette session The Witcher pour cette semaine, c'était stylé en vrai. C'était trop cool. Quel plaisir les jeux de The Witcher. Ouais, j'ai kiffé. Merci d'ailleurs Gorsen pour le quatrième mois d'abonnement. C'était très cool. C'était très cool. Ça régale. On a donc 87 heures sur le jeu, donc 87 heures de jeu. On a bien avancé la quête principale. Même peut-être un peu trop, on va pas mal papillonner là je pense sur la prochaine session. Même si là on a beaucoup papillonné après, on a quand même beaucoup avancé la quête principale en début de live. Du coup, je pense que prochaine session on papillonne un peu, enfin on check, je sais pas, on verra. Merci Manoé pour le subgift, merci beaucoup. Mais c'était très cool. En plus on termine sur une baisse de la part de Gérald de Rive. Bah voilà, c'est super quoi. Moralité de l'histoire, sauver des vies et faites l'amour quoi, c'est magnifique. Là-dessus, bah, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Il est 18h38 et il est l'heure pour moi d'aller me reposer. Nous, on se retrouve demain pour le fameux Rocket League du vendredi. Vous commencez à avoir l'habitude. Avec Rivenzy dès 11h30 midi. D'ailleurs, il y aura une nouveauté sur la boutique demain. Mais petite nouveauté. Vous verrez, petit truc sur la boutique. Merci beaucoup. Subjectivisme qui a pris un abonnement pour 12 mois d'avance. Bienvenue à toi. La confiance est insane, par contre, prendre un abonnement avec 12 mois d'avance, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais oui, demain, petite surprise sur la boutique, vous verrez, petite surprise, hein, rien de, attention, tranquille, mais petit truc. Et puis voilà, n'oubliez pas qu'il y a des hoodies XL d'ailleurs qui sont maintenant sur la boutique, triple XL qu'il n'y avait pas avant, les hoodies noirs. Voilà, vous faites des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Betwist pour le troisième mois, merci beaucoup. Je souhaite une très très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour le Rocket League, comme tous les vendredis avec Rivenzy, puis avec PA bien sûr. Gros bisous les fleurs, passez un très bon jeudi soir et merci encore une fois pour tout le soutien et pour tout le plaisir que vous me procurez. Ciao.